Alors, bienvenue à New York. On est sur la piste 13 droite à Kennedy Airport. Au programme, on fait nos deux tours de piste. On décolle, virage par la droite, un demi-tour, un petit tour à Manhattan, shopping pour madame, le manche. Je t'invite à poser tes pouces comme ceci. Voilà, si tu tournes à droite, vas-y, n'aie pas peur, ça ira à droite. À gauche, si tu pousses, ça descend. Si tu tires, ça monte. Jusque-là, tout va bien. Ces commandes sont efficaces qu'en vol, au sol, pour diriger l'avion avec tes pieds. Tu appuies sur la pédale de gauche, tout doucement. On va à gauche, pédale de droite, on ira à droite. Le moteur, deux moteurs, deux manettes de gaz. Si on avance les manettes vers l'avant, on va augmenter la puissance. On voit ici la puissance en pourcentage et on entend le bruit de nos petits moteurs qui ronronnent. Si on ramène vers l'arrière, on diminue la puissance. Ces commandes, ici, tu vas appuyer sur le bouton noir tout à l'heure, ça va enclencher les automanettes. C'est-à-dire que les manettes vont avancer et reculer toutes seules pendant le vol. En fait, tu vas régler la vitesse de l'avion ici. Un peu comme un régulateur de vitesse de voiture, tu affiches une vitesse et en permanence, ça contrôle la poussée pour garder la vitesse constante. Tu récupéreras les manettes en manuel seulement pour l'atterrissage, mais je te ferai un petit briefing parce que je suis très très sympa. Ici, deux petites manettes qui sont les reverse. L'inversant de poussée, tu as entendu ce bruit d'atterrissage, ça permet de freiner l'avion, donc tu les utiliseras au deuxième atterrissage. Les speed brakes, les aérofreins, tu vois ce que c'est? C'est les panneaux métalliques sur le dessus des ailes qui soulèvent automatiquement lorsque l'avion touche le sol. Eux, on va les armer, ils vont sortir plus ou moins automatiquement, parce qu'ils sont un peu fatigués en ce moment, c'est un peu grippé. Mais normalement, ça sort tout seul. Décale-toi un tout petit peu vers moi. Volet 5 au décollage, volet 30 à l'atterrissage, on en met un peu plus, ça nous freine. Pour manipuler les volets, tu soulèves, tu déplaces, c'est une roue crantée, tu vois, tout simplement. Deux butées de sécurité en 1 et en 15. Pour passer ces butées, tu vas dans la butée, tu relâches, tu soulèves vers l'avant. Tu reviens dans la butée, tu relâches, tu soulèves vers l'arrière. Ici, deux volants noirs qui vont tourner pendant le vol, c'est moi qui les pilote pour toi. Ce sont des compensateurs d'effort. Sur une voiture, tu as une direction assistée qui t'aide à tourner à droite à gauche. Mais là, ça va t'aider à pousser ou à tirer parce que tu as vu, c'était assez lourd sur cet axe. Donc ne t'inquiète pas si ça tourne. Devant toi, deux écrans. Ce premier écran s'appelle le PFD, c'est l'instrument principal de vol. Avec au milieu l'horizon artificiel, donc le bleu, le ciel, marron, la terre. Aile gauche, aile droite, petit carré, le nez de l'avion. Une graduation négative vers le bas, positive vers le haut. L'horizon est à 0, le premier trait à 2,5, 5 degrés, 7,5, 10 degrés, 12,5, 15, etc., etc. Si ton petit carré il est sur le 5, l'avion monte. Sur 2,5, il descend. Donc le but du jeu pour toi, c'est de garder le carré entre les deux. Ce qui veut dire que tu vas passer 95% de ton temps de vol à regarder ce carré et pas dehors. C'est une arnaque. Je suis désolé. Le paysage, c'est pour madame. Ici, en arc de cercle, tu as une graduation pour l'inclinaison de l'avion. Un petit trait, c'est 10 degrés. 20 degrés, 30 degrés d'inclinaison. Pareil de l'autre côté, 10, 20, 30. Tu essaieras de faire tous tes virages à 20 degrés d'inclinaison pour ne pas renverser le café de tes passagers. Sur cet écran, le Navigation Display, c'est un peu notre GPS à nous. Le petit triangle, c'est nous. Et on voit les deux doubles traits, c'est les deux pistes, la 13 right et la 13 left. Paramètres moteur, puissance en pourcentage ici. Nos réservoirs, 3 réservoirs sur cet avion, aile gauche, aile droite, un réservoir central. Qui est vide aujourd'hui, t'inquiète pas, on a assez de kérosène. Le truc ultra design chez Boeing, c'est la commande du train d'atterrissage. Petite sécurité, faut tirer sur son axe. Monter sur up pour rentrer les roues, down, sortir les roues. Ça marche. Là-haut, nos systèmes, les pompes carburant, on a deux pompes par réservoir. Toute cette partie-là, en fait, c'est l'électrique de l'avion. L'hydraulique pour les commandes de vol, les pneumatiques, c'est la clim et la pressurisation. Les feux de position pour démarrer les moteurs, les phares. Et ça, c'est pour le pilote automatique avec lequel on va s'amuser quand même un petit peu tout à l'heure. Voilà. Une main sur les gaz. En avant gagnant. Voilà. Tu pilotes l'avion avec tes pieds. Doucement. Commence pas à faire vomir tes passagers avant le décollage. Un peu à droite. Ça fait pilote bourré. Hein? Un petit peu. Ça fait un peu pilote polonais. Hein? Par à gauche, par à droite. On a pris le petit déj à la Volca, quoi. Tu enlèves tes pieds, tu regardes ton carré et tu tires. Tu vois la barre rose là-haut? Oui. Allez. Vas-y, allez. La force soit avec toi, jeune Padawan. Enlève tes pieds des pédales. Rends la main. Pousse, 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 pousse. Fais-moi confiance, pousse. Fais-moi confiance, pousse, pousse. Fais-moi confiance, pousse. Train sur rentrée. Allez, on y va. Tu tires. Tire dans l'axe et sur up. Michael Cull pour CNN International. Moi, j'avais filmé JFK. Regarde dehors. Ici, t'as l'aéroport sur lequel tu as décollé. Regarde en bas à droite, tu le vois? D'accord. Alors, juste regarde la pointe sud de Manhattan parce que tu le verras jamais en vrai. Parce que tu serais abattu par des F-16 américains. Parce que...
Ben oui, non mais moi j'ai appelé Barack. Regarde ton avion. Il est là. Il va au 280, il garde ta vitesse et ton altitude. Donc en fait, tu pilotes l'avion avec ces trois boutons. Accélérer, freiner, droite, gauche, monter, descendre. Voilà. Donc là, tu peux appeler l'hôtesse pour un mojito. Mais on a un petit plus. T'as vu que le temps est changeant en New York. Voilà. Voilà, pas plus. Ça suffit. Et déjà à gauche. Déjà à gauche. Tourne à gauche. VFT. Très bien. Reverse. Voilà. Et tu attends. Tu lâches le manche. Tu me pilotes seulement avec tes pieds. Donc je suis très sympathique. Je te remets du beau temps. Oui, je connais Evelyne Delia à la météo. J'ai le bras long, je vous ai dit. Bienvenue à New York. Comment s'est passé le voyage? Très très bien. Avez-vous ta casquette, capitaine? Capitaine Kevin.